Les protections de manette silicone pas chères, c'est chez Gripcare. Procurez-vous vos protections de manette silicone et Gripcare à un prix unique de 9,90€ sur tous les produits du site. Plus de renseignements, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Gripcare, protection siliconée de manette pas chère. Yo tout le monde, c'est Lit, j'espère que vous allez bien, car pour ma part ça a plutôt bien les amis. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo info les amis, et il s'agit d'une vidéo info qui va en réjouir plus d'un, car ça y est, grâce à une bourde de GameStop, nous savons enfin que Call of Duty Black Ops 3 sortira le 6 novembre 2015, et que toutes les personnes qui précommanderont cet opus de la saga Call of Duty auront un accès à la bêta exclusive de ce BO3 pour un avant-goût exceptionnel qui, je le rappelle, sera le premier Call of Duty only nouvelle génération et PC, très important et toujours à garder dans la tête. Et là, à ce moment-là de la vidéo, on vient à peine de commencer et vous dites déjà « Comment je sais tout ça? Comment Elite sait tout ça ?» alors qu'Activision prévoyait de dévoiler toutes ces infos seulement demain, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire le 26 avril. Eh bien, c'est très simple, les amis, comme je l'ai évoqué au tout début de la vidéo, c'est la chaîne de magasins gaming GameStop qui a, par erreur, si l'on peut dire ça comme ça, dévoilé cette affiche promotionnelle de la puce à venir que vous voyez à votre écran. Autres infos, en plus des précédentes qui sont déjà croustillantes, c'est celle du retour quasi assuré, voire sûr, des exosquelettes sur ce Call of Duty Black Ops 3, comme on peut le déduire suite à la publication de cette image où l'on peut voir à l'arrière-plan un soldat qui plane au-dessus du sol avec un jetpack dans le dos et une combinaison semblable aux exosquelettes de l'actuel Advanced Warfare. Comme on peut aussi le voir sur la même image, on aperçoit et on peut traduire, si vous parlez bien anglais, que de nouveaux mouvements feront leur apparition en multijoueur avec des thrust jumps, des slides et bien d'autres mouvements que Activision se réserve de garder pour le moment. Bien évidemment, pour obtenir la meilleure ergonomie possible sur ce Call of Duty, les développeurs ont créé les maps du jeu en fonction des nouveaux mouvements cités précédemment et qui seront donc instaurés dans le jeu, ainsi que le choix de faire évoluer vos personnages dans une gamme spécialiste pour une expérience au summum. Et pour terminer sur les infos du multi, on est encore plus sûr qu'avant, grâce à cette image, que le mode zombie fera bien son retour dans ce BO3 avec un système de progression et d'XP inédit, nous dit-on, ce qui pourrait donc bien nous laisser penser que le mode zombie fonctionnera désormais avec un système de prestige et non plus de grade comme c'était le cas auparavant. Je vous rajoute en bonus une image illustrant encore mieux le mode zombie, vous voyez que c'est vraiment super en espérant qu'on reviendra dans un mode zombie un peu moins futuriste, même si j'ai bien aimé le concept dans Advanced Warfare du jeu futuriste en mode multi, mais moi pour ma part j'ai vraiment kiffé le zombie de BO1 même si c'est pas le mode de jeu que je préfère sur Call of. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires tant que j'y pense, dans quel Call of est apparu votre zombie préféré? Je compte vraiment sur vous, ça me ferait vraiment plaisir et vous serez récompensé à l'avenir tous les abonnés qui participent comme ça à l'interactivité de mes vidéos. Et peut-être que si je recueille pas mal d'avis de votre part sur cette vidéo par rapport au mode zombie que vous avez préféré, j'en ferai une vidéo où je recenserai toutes vos préférences. Et enfin, pour terminer, on aura droit à une campagne solo qui sera jouable à 4 en coopération comme nous le révèle cette image, ce qui est plutôt sympa quand même, faut l'avouer. On nous annonce également des cinématiques et un gameplay plus travaillé que jamais. On attend de voir ça impatiemment, je pense, et on verra bien ce que ça donne, écoutez. À rajouter que les personnages de ce code seront complètement customisables de la tête aux pieds. C'est un truc qui était déjà plutôt cool et que je trouvais plutôt plaisant depuis Call of Duty Ghost, si je me souviens bien. Ça permet de bien se différencier dans les games, de parfois laisser place à son imagination, quelquefois déplacée, je vous l'avoue. Voilà les amis, j'en ai fini pour cette vidéo qui j'espère de tout cœur vous aura plu. Si c'est le cas, partagez cette vidéo car je vous assure que j'ai vraiment un temps d'avance sur ce coup à l'heure où je vous fais ce commentary et que vous vous rendrez compte que les infos dévoilées le 26 avril seront similaires. Alors si un de vos amis vous demande des renseignements sur ce Call of Duty, donnez-lui bien l'adresse de ma chaîne YouTube à tout prix et partagez-lui cette vidéo pour qu'il la regarde, ça m'aidera vraiment énormément à progresser et ça me fera vraiment plaisir. Lâchez également un petit like ainsi qu'un commentaire pour me dire votre ressenti sur ces nouvelles infos, ainsi qu'à me dire quel a été votre zombie préféré de la saga Call of Duty. Je vous assure que si vous le faites, ça me fera vraiment plaisir d'or que vous êtes actif et que vous participez encore une fois, comme je vous le disais avant, à l'interactivité de mes vidéos. Bien évidemment, pour suivre la suite de mon aventure, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Pour ceux qui me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous allez découvrir une chaîne riche en contenu, pleine de qualité, je l'espère pour vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao les gamers.